Et chez moi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas encore de gens qui ont compris dans ma dernière vidéo qu'est-ce que voulait dire mon introduction, mais je pense que ça va pas tarder. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de simulation. Donc c'est YouTuber Simulator, ça doit être un truc comme ça. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Moi, j'adore ce genre de jeu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous aimez bien. Et là, regardez, j'ai changé de vêtements. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe sur Roblox. Je vous mettrai le lien également. Et là, vous avez des petits vêtements donc de toutes les couleurs différentes. Salopette bleue, salopette noire et le haut de différentes couleurs. Des couleurs pastel, parce que moi, je kiffe les couleurs pastel. Voilà, en tout cas, on est dans le game. Et moi, je veux devenir très, très famous. Je veux devenir Squeezie, d'accord? Ok, donc... Ok, donc là, on enregistre. Yo, yo, what's good, YouTube? Ouais, what's up? Quoi? Ah, faut que j'appuie, c'est ça, moi-même? Ah, je clique, en fait, je parle, c'est ça? Faut que je fasse quoi? J'ai pas hyper bien compris le concept. Je vais cliquer. J'ai l'impression que peu importe où on clique, on peut cliquer. Voilà, en gros, j'ai l'impression qu'on est en train d'enregistrer une vidéo, d'accord? Et regardez, en haut à gauche, ça se remplit. Donc, ah, c'est une carte SD. C'est ce qu'on peut avoir maximum. Mais après, faut le ramener où? On va voir, on va voir. Là, oh, regardez, il y a une sorte de logo YouTube sur cette maison. Je pense que c'est peut-être là. Il y a un truc à faire. Attendez, c'est quoi ici? Item et upgrade. Ok, ça c'est pour upgrade. Your mom, ça. Alors, on dirait que c'est limite vulgaire en fait. Ok. Ok, donc notre carte SD, elle est full. Hop, j'ai remis juste la chaussette sur mon micro. La carte SD elle est full, donc il faut aller éditer la vidéo. On va aller éditer la vidéo. Alors ça nous a TP quelque part une pièce où il y a un ordinateur. La pièce elle est un peu tristounette. Ok, c'est notre... on dirait un bunker le truc, c'est limite une attaque de zombies, on est bien ici. En tout cas, on va aller sur l'ordinateur pour éditer cette fameuse vidéo. On va faire ça. Non, c'est... Je fais comment? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pensais qu'il y avait un truc à faire avec l'ordinateur, je pense. Oh! Je viens de remarquer, en haut, on a 0 vue et on a 0 sub. Donc, on a 0 abonnement. Ok, les amis, j'ai dû carrément relancer le jeu. Je sais pas pourquoi, j'avais un bug qui faisait que je ne pouvais rien faire devant l'ordinateur. Mais c'est bon, c'est réglé. Donc, si vous avez ce genre de soucis, n'hésitez pas à relancer juste le jeu. Et c'est reparti. Du coup, là, on est en train d'éditer. Oh, j'ai l'impression que je fais du kung-fu sur le clavier. Par contre, c'est tellement drôle. C'est mignon et drôle en même temps. En fait, il faut cliquer. Il faut cliquer. Oh, vous appuyez sur E. Sur E, ça marche aussi. Donc, soit vous utilisez clavier, soit la souris. En tout cas, j'ai l'impression que un clic égale 1$. J'aimerais bien que dans la vie ça soit pareil, genre tu cliques sur ta souris et tu gagnes 1€ à chaque fois. Je pense qu'on serait tous devenus millionnaires, on serait là H24 à cliquer sur notre souris. Par contre j'ai pas compris l'intérêt des petits boutons là qui s'affichent. J'ai tout édité, j'ai plus rien sur ma carte SD, j'ai plus de montage à faire. Et on a 250$. Alors pendant que j'étais en train de chercher la réponse à mon bug, j'ai visité. Et regardez, je vais vous montrer le magasin, parce que vous pouvez améliorer votre maison pour avoir une plus belle maison, enfin un plus beau intérieur. Et là, j'ai vu des choses mais magnifiques. Genre, regardez-moi ces chaises gaming. Franchement, celle qui représenterait le plus la mienne, ce serait celle-là, la rose et blanche ici. Moi, j'en ai une rose et blanche, même si je préfère honnêtement... Ah, je suis bloquée dans l'étagère. Je ne suis pas à vendre. Mais non, le siège là, il est vraiment magnifique, une sorte de rose saumon comme ça. Moi j'ai un rose plutôt comme ça, mais honnêtement je préfère le rose saumon que le rose comme ça. Mais bon, au moment où j'ai acheté ma chaise, j'avais pas énormément le choix, c'était extrêmement difficile de trouver des sièges roses. Je crois que ça fait au moins 4 ou 5 ans que j'ai le mien. Maintenant je pense que c'est plus facilement trouvable sur internet, on peut trouver tout. Voilà, on peut même avoir une chambre avec un lit, une plante, une machine pour les nounours. Est-ce qu'il marche le trampoline? J'ai l'impression qu'il ne marche pas, mais peut-être que bon... Ah, une machine à soda. Ouh, là, je vais pouvoir prendre des bains et vendre l'eau de mon bain. Pour ceux qui ont la ref, hein, dites-le moi en commentaire. Je vais devenir riche. Et on a... Oh, les studios foam. Alors, je savais pas que ça disait foam, mais c'est des sortes, vous savez, de tapis de mousse comme ça que les youtubeurs collent au mur pour avoir un meilleur son. Je pense que ça fonctionne, mais moi, j'ai jamais testé, j'en ai pas. J'en ai pas, donc je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'investirai. Hein. Pour le moment, vous aurez un son nul. Et là, les tables, je pense, pour poser le PC dessus.
Oula, c'est quoi ça? What the fuck? En soi, il y a de l'idée, c'est drôle, mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a ma tête qui sort de la bulle. Ça, c'est un peu bizarre, par contre. Pour un mini-moise, ça passe, pour un animal, à la limite, mais pour moi, ça va pas du tout. Il y a aussi un fond vert. Regardez, les amis, un fond vert. Là, franchement, même si vous voulez juste vous connecter sur le jeu pour pouvoir prendre des photos de votre personnage, ça peut être sympa à utiliser. En tout cas, ici, il y a des... Oh! Un sorte de trépied appareil. Oh, ça, c'est pour les vlogueurs, ça, c'est pour les spécialistes... Oh, ça, je veux trop dans ma chambre. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, regardez les vidéos. Peut-être qu'un jour, j'aurai assez d'argent pour m'acheter ce magnifique petit frigo. Ça, c'est vraiment un truc que je rêve depuis au moins 3 ans, minimum. Et encore, même plus, je crois. Parce que j'ai commencé à YouTube il y a 3 ou 4 ans. Et avant, j'étais sur Twitch. Et déjà, quand j'étais sur Twitch, je voulais un mini-frigo. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait... Est-ce que je peux faire des trucs d'intérieur? En même temps, je vais cliquer. Parce qu'en fait, j'ai... Bah, vous me connaissez, hein. À l'époque, je buvais des beurres. Maintenant, ils en rentrent plus dans mon coin. Du coup, je bois du Monster. Et en fait, j'ai mon copain qui boit tous mes Monsters. Des fois, en fait, je m'en achète. Et je me dis, ok, j'achète 3 Monsters pour toute la semaine. Voilà, j'essaie de me rationner pour éviter d'en boire trop. Et au final, bah, j'en ai plus. Le frigo, bah, il n'y a plus de Monster. Je me suis dit, un mini frigo comme ça dans ma chambre, en Perse... Je pourrais mettre des trucs dedans, mais après c'est pas bien non plus parce que je risque de mettre de la bouffe. Et je vais encore prendre du poids. Mais bon, ok. On sort et on va regarder un petit peu les upgrades. Combien que ça nous coûterait de upgrade nos machines? Parce que je pense qu'on peut aussi également augmenter la vitesse et tout ça. Par contre, j'ai pas visité. Waouh. Mais regardez ce couloir, il est rempli de tapis au mur et au plafond. Il y en a partout, les gars. Là franchement... Mais limite, je m'installe ici, moi, pour faire les vidéos. On dirait, genre, les Z-Event et tout, là, genre, où t'as 46 youtubeurs qui font des lives caritatifs dans une même pièce, où t'as 46 ordinateurs. En tout cas, jusqu'au bout, il y a des... Oh, celui-là, il est pas mal. Celui-ci, j'aime beaucoup. Mais franchement... Oh non. Oh non, ça m'a téléporté, parce que j'ai cliqué trop vite. Bon. Je vais juste, du coup, me débarrasser de ça, pardon, et on retourne au magasin. Ok, on est de retour ici, comme vous... Je parle très bien français. Comme vous avez pu le constater, on est passé à 3 abonnés en haut et à 500 vues. Eh bien, c'est pas mal. C'est un début. C'est un début. Et donc, ici, ça, c'est l'ordinateur qu'on a déjà, donc ça sert à rien. On a celui-ci, mais du coup, qu'est-ce que ça fait? Ah, 2 vidéos en même temps. Je pense que c'est 2 par 2 si on achète celui-ci. Je pense que le plus intéressant, au début, c'est plutôt d'investir dans l'appareil que là-dedans. Comme ça, on a plus de place dans le SD. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Là, ça doit être le téléphone de base qu'on a, ouais. Et ici, après, on a le téléphone... Enfin, après, c'est plus des téléphones. Mais attendez, on va quand même aller jusqu'au bout pour voir un petit peu ce qu'il y a au bout. On dirait un sèche-cheveux, le truc. Ou un micro. C'est pas un appareil photo, là. C'est un micro, le truc. Mais aussi, on dirait un micro. Une perche. Un micro. Et ça, c'est un très ancien appareil photo. On régresse, en fait. Oula. J'aurais un petit peu peur d'utiliser cet appareil-là. Là, c'est carrément une caméra professionnelle. Une bûche. Ok, bah pourquoi pas. On dirait un mini cercueil, ça. Ils sont partis loin dans le délire, hein. On dirait un Rubik's Cube, ici. Allez, on va au bout pour voir un petit peu le Saint Graal de l'appareil photo du YouTuber élite. Ok, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un truc... de Sailor Moon. Et là, c'est quoi? Soon. Ah, bientôt. Donc ça, c'est les prochains. Ça veut dire que le jeu, il est encore en... Enfin, en constante évolution et qu'il y aura des nouveautés par la suite. On va retourner au début. Ah si, on va regarder de ce côté-là. Là, il y a carrément 2, 4, 6... Bah, il y a 9 écrans, quoi. Il y a 9 écrans. Vous savez que moi, les gars, j'ai 2 écrans. Et des fois, je trouve ça limite. Mais je trouve que plus que 2, c'est chiant quand même à gérer 3 écrans. Oh, ça, celui-là, il est beau. Celui-là, par contre, je préfère celui-ci, par exemple, que le tout dernier. Bon, on va retourner. Oh, ah ouais, celui-là, il est pas mal aussi. Mais en vrai, ouais, celui que je vous ai montré, c'est mon préféré. Honnêtement. Bon, le bleu, là, avec 3 écrans, il est pas mal aussi. En jaune, c'est sympa aussi. Bon, on va investir dans un appareil photo. On va voir si on peut directement acheter celui-ci. Ah ouais, 85. On va directement aller un peu plus loin. Ok, là, on n'a plus assez d'argent. Là, c'est 250. Ah ouais, là, on passe de 250 à 731. Bon, allez, 250. 16 vidéos par clic. Je prends. Ok, mais ça n'a pas augmenté la place dans notre SD. En gros, on prendra plus vite les photos, mais notre carte SD va être remplie trop vite. Moi, je veux l'upgrade.
Combien d'espace nous voulons en plus? Mais 1 million, mon gars. Ouais, non, on peut pas plus. Ok, on peut passer quoi? On peut avoir 253 de plus pour 5... pour combien? Pour 250... Ah oui, on peut avoir 500 de plus pour 250. Bah, écoutez, on paye. Et puis regardez, vous allez voir que ça va... on dirait que je suis la contrôleuse des autoroutes. Et... Oh, excès de vitesse, monsieur! Excès de vitesse, vous courriez à plus de 10 km à l'heure. Je vais devoir vous amender, monsieur. Ça sera 500 $. Ah ouais, lui, il a sorti l'appareil, mon gars. Il m'assomme avec, hein. Bon, on va sortir et je vais vous montrer. Parce qu'en fait, il y a un truc hyper cool si vous avez des souris de gamer. Je pense que maintenant, en 2021, hein, les filles comme les garçons, hein. Maintenant, j'espère que vous avez tous des souris de gamer. Genre des... Moi, personnellement, j'ai une Rocat. Il marche très bien et que j'ai depuis des années. Et en fait, j'ai paramétré sur ma Rocat un petit tips. Donc, c'est un autocliqueur. Donc, regardez, là, je vais... Hop, là, j'utilise mon autocliqueur. Je ne clique pas manuellement et ça se fait automatiquement. Regardez, en 2 secondes, ça a été fait. Voilà, c'est un autocliqueur. C'est que ça clique vite, 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 automatiquement. Donc, moi, j'ai besoin de ne rien faire. Je lance juste l'autocliqueur et je l'arrête. Donc, là, pareil, quand on va devant l'ordinateur, je vais lancer, hop, mon petit autocliqueur. Et voilà, c'est très rapide pour ce genre de jeu. Et en plus, je crois que j'avais paramétré justement ma souris pour qu'elle puisse cliquer automatiquement. À cause de Roblox et de tous les jeux Tycoon, Simulator, etc. On a besoin d'énormément cliquer parce que moi j'adore ce genre de jeu. Je suis accro en fait à ce genre de jeu. Du coup, j'avais paramétré exprès pour ça. Je crois que c'était à l'époque où je jouais avec Byun. Et on faisait quoi déjà? Il y avait un bail avec des... Il fallait ramasser des cadeaux, je sais plus. Je sais plus ce que c'était, les gars. Ah, j'ai un trou, là. Là, par contre, j'ai un trou, je ne sais plus. En tout cas, regardez, mon nombre de vues, il augmente. Et mon nombre d'abonnés aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Peut-être qu'on aura les deux... Là, ah oui, voilà, vous voyez, ça, c'est mon autocliqueur, ça. En tout cas... N'hésitez pas à vous abonner, peut-être avec un peu de chance, avant 2022, on sera peut-être 200 000 sur la chaîne. Voilà. Dites-moi également si ce genre de petites vidéos découvertes sur des simulateurs et des tycoons, ça vous intéresse. Si vous voudriez peut-être aussi, il y a pas mal de gens qui me demandent, c'est de faire du... comment il s'appelle le jeu? Pourtant, j'y avais déjà joué. C'est le jeu, vous savez, sur Roblox, on est dans une école, c'est High School, je crois. High School Roblox, quelque chose comme ça. Qui est pas mal, on me demande beaucoup d'aller sur ce jeu. Donc, pourquoi pas? Dites-moi si ça vous intéresserait et moi avec grand plaisir j'irai dessus. Et si ce genre de vidéo là comme je fais maintenant, chill, découverte de simulateur et tycoon, ça vous intéresse également. Je sais que ça vous intéresse moins que les RP qu'on fait sur Brookhaven par exemple. Mais moi j'aime bien en faire et ça m'amuse et je pense que ça se voit. Donc de temps en temps entre deux vidéos parce que c'est le genre de vidéo RP qui me demande énormément de temps à faire. Donc des fois j'aimerais bien pouvoir partir sur un genre de vidéo qui est un peu moins complexe que ça. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir et n'hésitez pas à aller voir la petite boutique de ma page Roblox. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Voilà, et si vous voulez une prochaine vidéo sur YouTube Simulator pour voir un petit peu l'upgrade de ma maison, parce que je pense que je vais y jouer hors vidéo celui-ci, si vous voulez une petite vidéo où je vous montrerai l'upgrade de ma maison et tout, et quand je serai devenue millionnaire, enfin millionnaire sur YouTube, je dis bien, millionnaire sur YouTube en ayant plus d'un million d'abonnés, eh bien, on pourrait célébrer ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Moi, je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bisous à vous. Mouah, mouah, mouah.